Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va super. Aujourd'hui, pour cette première émission de Qui veut gagner des millions, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas tout seul. Je serai en compagnie d'un candidat qui va arriver dans quelques instants. Mais avant tout, ce candidat doit atteindre le million. 15 questions, c'est par du million. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons applaudir Dr. Wu! Alors bonjour docteur. Alors on va faire un peu connaissance. Donc tu as 16 ans, c'est ça? Alors on t'entend très mal, mais je pense que ça veut dire oui. Je pense. Parce que ça bug un peu. Allez, Alors, j'entends mieux, voilà, pour ça. petite question avant de commencer le jeu. Comment ça s'est passé ton confinement après 2 mois d'enfermement? Ben, ça m'a pas dérangé plus que ça. Parce que de toute façon, je suis déjà quelqu'un qui fait beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà, j'ai pas de jardin, j'habite en appartement, donc c'est vrai que moi, ça m'a pas vraiment dérangé plus que ça. De toute façon, je travaillais, je lisais, je m'occupais bien. Voilà, D'accord. c'était pas très très ennuyeux. Je me suis quand même, j'avais des cours de toute façon. Il fallait que j'avance et donc voilà. Non, ça s'est bien passé. D'accord, très bien. Alors, je vais t'expliquer la règle. Donc, 15 questions, c'est par du million. Les 5 premières questions, assez faciles pour atteindre le premier panier qui est de 3 000 euros. Ensuite, on augmente un tout petit peu la difficulté pour atteindre les 24 000 euros. Et enfin, si tu as une bonne culture, je te félicite, tu peux gagner le million d'euros. On va essayer déjà d'atteindre le premier palier. On va Oui, déjà. déjà c'est la première. Voilà, ça va être ça d'abord. Voilà. Alors, tu as 4 jokers, le 50-50, le feeling de Lolo, le switch et la seconde chance. Alors, très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas qui veut gagner des millions ou qui ne connaissent pas les jokers, je vais vous expliquer. Le 50-50 enlève 2 mauvaises réponses. Le feeling de Lolo, eh bien, je vais essayer de donner la bonne réponse à notre candidat. Le switch, il permet de switcher la question, donc de changer de question. Et enfin, la seconde chance permet de choisir 2 réponses. Mais attention à ne pas donner 2 mauvaises réponses parce que sinon, le jeu est terminé. Voilà. Alors, est-ce que tu es prêt? Allez, on va dire oui. On va dire oui. On va dire Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dr. Roux va jouer à qui va gagner des millions. Alors, première question. Selon la légende, les vampires ne supportent pas la lumière du soleil, la déco de Valérie Danibo, la cuisine de Christian Lignac ou le Covid-19. Alors, bon, il y a plusieurs réponses qui peuvent être possibles, hein, Oui. parce que on ne sait pas s'il peut être atteint du Covid-19 ou pas. C'est ça. La déco de Valérie Damidot, peut-être qu'il n'aime pas que tous les murs soient peints de couleur taupe. Oui. Non, on va dire la lumière du soleil. On va rester lucide. On va dire la D'accord. lumière du soleil. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo. 500 euros. Ça commence bien. Alors, voici la deuxième question. Comment appelle-t-on familièrement les Français d'Algérie? Est-ce les peaux rouges, les pieds noirs, les blancs becs ou les visages pâles? Alors, sont les pieds noirs. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo. Oui, on appelle les pieds noirs parce que pendant la Première Guerre mondiale, les poilus appellent ainsi les recrues musulmanes qui viennent des colonies françaises, les pieds noirs. Bravo. Ah, je ne savais pas. Je viens d'apprendre quelque chose. Voilà. Ben voilà. 1000 Voilà. euros. On va continuer pour la question à 1500 euros. La voici. Dans la mythologie égyptienne, qui est l'époux de la déesse Isis? Est-ce Osiris, pardon, Oasis, Bruce Willis, Brice de Nice? C'est une bonne blague.
Ouais. On va. Ah, je ne m'y connais pas en mythologie égyptienne. Ah. Ah, c'est dommage. Il faut peut-être On qu'il va y dire Osiris quand même. On va dire Osiris. Bien sûr, c'est une bonne réponse, bravo. Ah C'était compliqué. ouais. J'ai Ouais. hésité avec Brice de Nice, hein. J'ai hésité beaucoup. Ah oui, d'accord. Une grosse différence alors. Alors voici la quatrième question pour 2000 euros. Dans quelle proposition y a-t-il une grosse faute d'orthographe? Est-ce Zazie chante, Stromae swing, Dionys déhanche ou Manuel valse? On va dire Manuel Valls. On va pas perdre de temps sur cette question. On va Non, dire on va pas perdre de Manuel Valls. temps. C'est une bonne réponse. Bravo. 2000 euros. Maintenant, on va passer, essayer de gagner le premier palier qui est 3000 euros. Voici la question. La Coupe du monde de football se déroule tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Bon, ça encore, c'est simple. Oui. On va. C'est 4 ans. C'est 4 ans, enfin, pour l'instant, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner si ça va être perturbé avec Avec le le coronavirus. coronavirus. Eh bien, Donc, bravo. mais enfin, donc Bravo, 4 ans, voilà. félicitations. C'est une bonne réponse. 3000 euros, premier palier atteint. Bravo, L'honneur est félicitations. sauf. Voilà. L'honneur est Maintenant, sauf. on va se décontracter. Voilà, on est sauvé. On gagne de l'argent. Quoi qu'il soit. Donc maintenant, on va être un tout petit peu plus sérieux puisque c'est la question pour 5000 euros. À la télévision, une émission en prime time est diffusée à quel moment de la journée? En soirée, le matin, l'après-midi ou à minuit? Alors, en prime time, c'est ce qui passe vers 21h, hein, c'est après le journal, donc c'est en soirée et C'est ton dernier mot? oui, c'est en soirée. C'est mon dernier mot. Eh bien, j'ai rien à dire. C'est une bonne réponse, bravo. Et oui, un prime time, ça passe le soir à partir de 21h. Bravo, 5000 euros. On avance, on avance, on avance. Mais ça va être Est-ce que encore. les autres, ils ont des noms, juste pour savoir? Non. Non, ils n'ont pas de nom, Non, hein. ils ont pas de nom. Non, d'accord. Alors voici la septième question. L'un des emblèmes officiels des pharmaciens représente un serpent autour d'une épée, d'une coupe, d'un crâne ou d'un bouclier. Alors, Très bonne question. ça. Mais en fait, je l'ai fait en latin. Je fais du latin et on avait étudié les symboles de la médecine parce que, enfin, les terminales font étudier ça pour le bac. D'accord. Et en fait, il y avait. Je me souviens des exposés et je me souviens qu'il y avait deux. Comment ça s'appelle? Des caducées, deux caducées. Un avec une épée. Et l'autre avec une coupe. Et là, il y a les deux. Ah. Donc ça ne m'arrange pas tellement, mais. Il y a un joker, c'est 50-50, qui peut t'aider. Mais moi, je pense que le 50-50 peut m'être utile plus tard. Donc je vais peut-être prendre le x2 si c'est possible. Ok, alors, eh bien, je te laisse choisir une première proposition. Comme ça, là, maintenant, s'il y avait une autre proposition, j'aurais dit la coupe. C'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Eh bien, tu as bien fait parce que tu as hésité entre deux. Eh bien, c'est une bonne réponse. Oui, c'est une coupe qui est encerclée par un serpent. Et du coup, on voit un peu partout en France lorsqu'on arrive devant une pharmacie. Bravo, félicitations.
7000 Yes. euros. Bon, gaspiller le Joker, c'est quand même dommage. Mais oui, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Puisque tu en as encore 3. Le 50-50, le feeling de Lolo et le switch. Voici la huitième question pour 10 000 euros. Dans quel jeu peut-on devenir corsaire? Le bateau, le croquet, la roulette ou le tarot? Alors là, C'est un peu plus compliqué. ben, c'est des jeux de cartes, je crois. Le tarot, c'est un jeu de cartes. Les trois autres, je n'ai. Le croquet, enfin, je savais même pas que c'était un. Enfin, est-ce que c'est des jeux de cartes? Non, le croquet, c'est pas un jeu de cartes. La roulette, je sais même pas. Le bateau, j'en ai entendu. Enfin, corsaire, bateau, ça peut être une. Je sais pas. Tu utilises quoi? Le 50-50? Alors, le 50-50, je pense pas ça va t'aider. Non, ça va pas. Je pense peut-être le feeling. Le feeling? Ça peut. Parce que le switch, ce serait dommage le switch de l'utiliser si tôt. Ça peut peut-être être plus tard. Ouais. Non, mais je vais prendre le feeling. Le feeling. Ok, alors voici ce que j'en pense. Eh bien, tu as bien fait de me choisir parce que je connais la réponse. Non, ça c'est bien. Je Maintenant vais. c'est voilà, c'est un joker qui aide, Oui. c'est bien. Alors, pour moi, c'est le croquet. C'est la réponse B. C'est le croquet? Oui. D'accord. Le tarot, c'est un jeu de cartes. C'est. Soit t'as le 1 petit, soit tu fais une garde, soit tu fais autre chose de supérieur. Le bateau, je ne vois pas du tout. Et la roulette, je pense que c'est dans un casino. Tu mises sur un chiffre et la roulette tourne. Mais j'en suis sûr à 100% que c'est le croquet et c'est mon dernier mot. Ah oui, la roulette, j'ai pas du tout pensé pour. Pour le Oui, casino? j'étais vraiment sur des jeux de cartes à chaque fois. Ah d'accord. C'est vrai, ah oui, ben donc. Oui, bon, ben le croquet. C'est ton dernier mot? Ce jeu de dessus, c'est mon dernier mot. Alors, une fois que tous les arceaux franchis, le joueur peut soit toucher le piquet final et gagner la Merci. partie, soit devenir corsaire. Et la réponse est Le croquet. le croquet! Bravo! Merci beaucoup quand même. Merci, Pas de merci. rien. Heureusement que voilà, je viens de t'aider. Heureusement que t'as utilisé ce joker. Eh bien, nous allons maintenant passer à la question pour 15 000 euros. Deux questions avant le deuxième palier. Donc, voici la question. Dans les jeux de cartes traditionnels, comment s'appelle le valet de trèfle? Lancelot, Ogier, Hector ou Lahir? Oh là là, c'est encore une question de carte. C'est Alors. encore une question de cartes. Alors je te rappelle, il te reste le switch et le 50-50. Mais je crois connaître la réponse. Est-ce que tu es au moins sûr de ta réponse ou est-ce que tu hésites entre plusieurs propositions? En fait. C'est pas ça, quand j'ai vu la réponse, enfin quand j'ai vu la question, pardon, il y a un prénom qui m'est venu en tête et lié. Et c'est Lancelot. Mais dans les jeux de cartes, ça s'appelle le valet des trèfles. Hector, je crois. Ah oui, ils ont des noms. Ogier, ça me parle pas. Lahir, je crois que c'est dans un autre. Je crois que c'est pas un. Je crois que c'est pas dans un jeu de cartes traditionnel, je crois que c'est dans une variante, enfin, un autre jeu. D'accord. Hector, je vois, pour moi, c'est Lancelot. C'est ton dernier mot? Oui, Lancelot au dernier mot. D'accord. Alors, eh bien, les quatre propositions sont des valets. Voilà. Ogier est le valet de pique. Lahir est le valet de cœur.
Lancelot et le valet de trèfle. Bravo! Yes. Félicitations. Ah mais ça me parle. Ça me parlait. Je sais pas pourquoi. Hein. Ouais. Lancelot, ça me parlait pour un valet de trèfle. Je sais pas pourquoi. Hein. D'accord. Mais bon. Ah ben c'est très bien. On va maintenant passer à la question pour le deuxième palier qui a 24 000 euros. Comment se prénommait la petite chienne qui fut le premier être vivant envoyé dans l'espace? Minouka, Marouka, Laika ou Balalaika? Ça, je sais, pauvre petite bête sans défense qui fut envoyée dans l'espace. Oui. Et c'est Laika. Réponse C. C'est ton dernier mot? Prénommer le petit chien. Laika, réponse C, c'est mon dernier mot. Alors, on joue pour la question à 24 000 euros. Tu as voté pour Laika. Le premier être vivant mis en orbite autour de la Terre est une petite chienne. C'était en 1957. Et j'ai l'honneur de te dire que c'est une bonne réponse. Bravo! 24 000 euros. Félicitations. En place. Yes. Incroyable. C'était les Russes hein, qui l'avaient envoyé, Laika. Oui. De sonorité. C'était simple. Félicitations. Nous sommes enfin au deuxième palier. Maintenant. L'honneur est doublement sauf quand même. Hein. C'est ça. Maintenant, nous allons jouer pour la question à 36 000 euros. Lequel de ces lexicographes est l'auteur du premier dictionnaire de la langue française? Est-ce le Littré, le Robert, le Richelet ou le Larousse? Alors là, un petit peu plus compliqué. Je pense que je vais switcher. Je réfléchis quand même. Ouais, vas-y. Je vais switcher la question. D'accord, alors on va switcher la question et voici la nouvelle question. L'équipe de France est championne d'Europe en titre du handball. L'équipe est surnommée les Bargeaux, les As, les Fanatiques ou les Experts. Les Experts, et c'est mon dernier mot. On prend aucun joker là. On n'a pas pris le 50-50. Non. On joue pour 36 000 euros. La réponse est... les experts ! Bravo ! Félicitations ! Exceptionnel ! C'est incroyable. Bravo ! J'ai pas de mots. 36 000 euros. Maintenant, soyons un peu plus sérieux. Il te reste un joker, le 50-50. Et nous allons jouer pour 62 000 euros. Voici la question. Dans la mythologie égyptienne, quel dieu est représenté avec une tête de faucon? Anubis, Horus, Osiris ou Ra? Alors, moi, j'ai une petite stratégie toujours quand il me reste... Enfin, je m'étais dit qu'il me reste le 50-50. Je préfère quand même d'abord réfléchir avant plutôt que de l'utiliser et après hésiter entre les deux pendant... Très, très bonne stratégie. Pendant longtemps.
En plus, c'est des dieux connus. C'est pas des dieux au nom exubérant. Alors, si tu me donnes une mauvaise réponse, on redescend à 24 000 euros. Soit tu réponds ou tu utilises le joker, mais tu réponds aussi. Soit tu peux t'arrêter et dans ce cas, c'est 36 000 euros. Je pense là maintenant à prendre le 50-50. J'ai déjà fait un petit tri dans ma tête. Je pense que le 50-50 pourra me conforter dans mon idée. D'accord. Ordinateur enlevé, deux mauvaises réponses. Il reste Anubis et Horus. Alors, je vais. Sinon, au pire, je retombe à 24 000, c'est pas non plus si grave. Plutôt que si je perdais, si j'étais à 72 000 que je retrouverais à 24 000, là je m'arrêterais. D'accord. Je pense. C'était déjà ma petite intuition. Donc je vais suivre ce que je pense. Je pense que c'est Anubis, parce que Osiris et Ra, je les avais déjà éliminés. Horus, j'avais un petit doute. Mais vu qu'Anubis est resté, je vais quand même jouer Anubis. C'est ton dernier mot? Dieu reprend avec tête faucon. Anubis, c'est mon dernier mot. On joue pour la question à 72 000 euros. Dans la mythologie égyptienne, quel dieu est représenté avec une tête de faucon? Il est représenté comme un homme ayant une tête de faucon. Il est le dieu protecteur du pharaon. Et c'était Horus. Ah. Malheureusement, c'est terminé. 24, mais quand même 24 000 euros. C'est une très belle somme, vraiment. Bon. Bon. J'ai voulu jouer quand même parce que j'avais une intuition et je préférais pas m'arrêter quand même avec un 50-50 que j'ai. Enfin, avoir Que plus tu de as chances de acquitté. répondre du coup. D'accord. Mais bon, voilà. Eh bien, bravo. 24 000 euros. Qu'est-ce que tu vas en Merci, faire de ce fut cette un somme? plaisir. Ah bah, qu'est-ce que tu vas en faire de cette somme? Ah, ben, pourquoi pas investir après le confinement et investir après le coronavirus? Ouais, c'est une très bonne C'est idée. ce qui est un bon projet, je pense. Oui. Ça Eh bien, merci à toi d'avoir joué. Merci à vous. Merci quand même pour l'invitation et d'avoir accepté, c'était très gentil. Eh bien, voilà. Je suis toujours là. Voilà. Si tu veux reparticiper, eh bien, je serai avec plaisir. Tu pourras revenir. Peut-être retenter ta chance. Avoir un peu plus Ça d'argent. me ferait plaisir une prochaine fois. Ben, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette première émission avec Dr. Wu. On se retrouve très 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 bientôt pour une deuxième émission. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir encore plusieurs surprises. Merci à tous, c'était le Lomelard. À la prochaine!